Bon, dans quel état d'esprit t'abordes ce championnat de France à la maison? Ouais, bah je suis bien motivé. Et, bah, je sais que ça va être un championnat très difficile avec le parcours, avec la chaleur aussi. Mais on est tous bien motivés avec les équipiers et on va donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. Ouais, c'est important pour l'équipe de bien performer ici chez vous. Ouais, carrément, c'est super important. C'est dans la région, Van Rysel qui vient d'arriver avec nous. Donc on doit être présent à l'avant dimanche et essayer de faire de notre mieux. Ouais, comment t'imagines que la course va se dérouler? Bah, je pense qu'il va avoir une échappée. Je pense une grosse échappée. Ça serait bien pour nous qu'il y ait une grosse échappée de 25 coureurs, ça serait pas mal. Car après, il y a Julien Alaphilippe en grand favori. Et je pense que les équipes comme AG2R, FDJ vont essayer de le piéger, ça va pas être simple. Donc ouais, ça va être une course, je pense, avec beaucoup de mouvements dès le début. Et il faudra faire aussi attention à la longueur de la course, hein, parce que 230 bornes sur ce parcours avec la chaleur, ça va faire des dégâts. Ouais, ça sera quoi un championnat de France réussi pour l'équipe? Ça sera un bon résultat. Après, on sait qu'à la pédale, je pense qu'on n'est pas capable de suivre les meilleurs. Mais avec une course où on prend les choses en main, qu'on soit tout de suite à l'avant, avec un coup d'avance, pourquoi pas. Donc tout est possible en vélo, mais il faut qu'on prenne un coup d'avance. En fait. Merci. Voilà. Merci bien. Bonne course.